enseignements de Dieu. Nous allons prendre le temps. Nous allons prier sérieusement. Bien-aimé, qui te moque de ton âme? Après la mort, tu vas rendre compte à Dieu de tout ce que tu as fait. Bien-aimé, comme si ce soir, tu entends, réponds-toi. Lève-toi. Réponds-toi. Lève-toi. Lorsqu'on te dit, alors tu vas faire oui. Il faut prier Dieu. Là, demain. Il faut adorer Dieu. C'est là, ça. Là, tu dis non. Non, non, je suis fatigué. C'est un sommeil. Tu n'as pas sommeil. Devant un match de football. Tu n'as pas sommeil. Devant un match. Jésus revient bientôt. Sortez de l'ignorance. La Bible dit mon peuple périt. Mais ça n'a pas qu'il leur manque de connaissance. Ça n'a rien. Ce peuple, ça n'a encore rien. Que de lèvres. Nous parlons de nous tomber. Oui. Pourquoi faire Dieu? Il y a sur leurs lèvres, mais leur cœur est détourné de Dieu. Qu'est-ce que c'est? Il y a sur de Dieu. Mais en réalité, elle est au milieu de Dieu. Mais en réalité, elle se moque de Dieu. Pour vous savoir leur vie, bien-aimé, pose-toi la question. Pour savoir, si tu meurs ce soir, il est mort sur la main. Oui, bien-aimé, toi qui continues dans la vie de fornication. Dans la vie d'adultère, pose-toi la question. Si tu meurs ce soir, où ira ton âme? Où ira ton âme? Après la mort, il n'y a plus de repentance. Après la mort, il n'y a plus de repentance. Oui, toi qui dis Dieu, tu dis Dieu bon. Mais tu continues de visiter les marabouts pour faire des bases. Pour faire avancer ton commerce.
Je bénis le Seigneur pour la vie de mes frères, mes soeurs et les serviteurs ici présents. Bon, je ne veux pas témoigner, je veux plutôt rendre grâce à Dieu et encourager un frère, encourager une soeur. Bon, je veux dire merci à Dieu pour ma vie, pour la vie des membres de ma famille, pour ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans ma famille depuis le début de cette année 2021. Parce que il a fait de grandes choses, malgré la tristesse. Parce que la tristesse était à un niveau très élevé dans ma famille. Depuis mars, nous avons vécu les décès enchaînés. En mars, il y a ma tante qui est morte. En avril, le bébé de ma soeur est mort. En juin, le mari de ma tante est mort. En septembre, ma petite sœur que vous tous vous connaissez, qui elle était pour moi, le Seigneur l'a appelée, l'a rappelée à lui. Je ne peux pas dire qu'elle est morte. Le Seigneur l'a rappelée à lui. Et malgré tout ça, le Seigneur Jésus-Christ a consolé ma famille, m'a consolé moi particulièrement, parce qu'après le décès de ma petite sœur, j'étais abattue. Je ne pouvais pas m'imaginer passer une seule journée sans pleurer ou sans penser à elle. Mais le Seigneur Jésus-Christ, au travers de mes soeurs, de mes frères, dans le Seigneur, je précise, des serviteurs de Dieu de toute l'étendue de la terre. Parce que Dieu est bon, il est bon. Pendant son moment de tristesse, de douleur et tout, il a suscité les bien-aimés de partout pour me soutenir dans tous les sens, dans tous les sens. Et il m'a vraiment consolé de telle sorte que quand je reste souvent, parce que ce n'est pas facile, je ne peux pas vous dire que je ne reste pas sans penser à ma soeur. Je pense toujours à elle. Mais le simple fait de savoir que le Seigneur a attesté à plusieurs personnes qu'elle est à ses côtés, ça me console. Et je dis vraiment merci au Seigneur Jésus pour cela. Et je veux aussi dire merci au Seigneur parce qu'il a fait grâce qu'au moins une personne soit sauvée dans ma famille. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu, c'est que les gens dans leur famille, mais ils n'ont pas eu cette grâce-là. Mais ma famille a eu cette grâce. Et je veux aussi supplier le Seigneur Jésus qu'il continue à m'utiliser pour se révéler dans ma famille. Parce qu'il y a une parole de Dieu qui dit « Deux valent mieux que un ». Étant avec ma soeur, j'étais motivée. Mais elle est partie, ce n'est pas grave. Le Seigneur Jésus est là. Les frères sont là, les serviteurs sont là. Je pense que par sa grâce, je vais continuer à combattre. Et je voulais aussi encourager une soeur, un frère à servir le Seigneur. À servir le Seigneur malgré les tempêtes. Malgré les difficultés, malgré les persécutions, parce qu'il est fidèle. Il est fidèle, mes soeurs. Il est fidèle. Je vous parle en conséquence de cause, parce qu'il s'est révélé dans la vie de ma soeur. Avant que ma petite soeur ne reparte à lui, il a œuvré dans sa vie. Comme il y a un musicien qui dit, il a pris, il a arrangé, il a continué avant de le rappeler à lui. Donc, servons le Seigneur avec joie, avec fierté, malgré toute difficulté, servons-le. Il est fidèle. Que bénisse vraiment le Seigneur. Il est tellement fidèle. Le seul qui me voit une situation où le service. Et le service, c'était un jeudi. En fait, l'entreprise fait dans la vente des équipements de sécurité. On m'a demandé de préparer la livraison de 25 caisses d'outils pour bénéficiaires pour aller livrer à Elio. J'ai apporté les 25 caisses pour qu'on fasse livrer. Et les autres qui sont restés, on a demandé qu'on mette ça au magasin. Et quand j'étais en train de transporter les outils pour mettre en haut, on a volé au moins 4 outils qui coûtent bien cher. On a volé 2 cartons.
de pêcheurs et de biologistes. Et dans chaque colonne, il y avait des cerfs. Je ne sais pas qu'après, j'ai pu dépasser des événements. Mais quand je me lève à mon oncle, il explique que je ne vois pas deux biologistes et deux cartons de pêcheurs. Mon oncle était dépassé. Il me demande que, en transportant ça au magasin, tu n'as pas vérifié. Je dis, je n'ai pas vérifié. Et je savais que si ça partait sur le bosse, ça avait été grave. Je me suis mis en prière. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui tiens le cœur de voir votre main. Tiens le cœur de nos papas entre ses mains. Et quand il est rentré, il dit, en intercession, il priait, il priait. Aux environs de 19 heures, j'attends mon oncle pour demander quel est le verdict que le bosse a dit. Il a dit, laisse ça va. Si on a voulu ça, derrière, il n'y a pas de problème. Quand je te dis comment le Seigneur, je ne sais pas comment il va faire. Depuis ce qu'il a fait pour moi, depuis que cette année a commencé, déjà il faut dire que pendant toute cette année, le Seigneur m'a présidé vers la maladie. Parce qu'il avait appris, quand même, mais cette année, si je ne suis pas trop tombé malade, gloire à Jésus. Et je tiens à dire merci au Seigneur pour m'avoir brisé sans cesse. Le Seigneur m'a brisé sans cesse tout au long de cette année. À la dernière minute, je souffrais de quelque chose. Je disais, Seigneur, qu'est-ce que tu me reproches de quoi? Tu me dis, impudicité, viens, impudicité, je vais dépasser. Quand je commence à réfléchir, le Seigneur me rappelle. C'est-à-dire, je vivais un moment d'impudicité en pensée. C'est-à-dire, je vois un fou, les désirs impurs m'ont pris dans ma tête. Vois n'importe qui, que ce soit n'importe qui, en ton qualité, j'étais troublé. J'étais troublée. Mais depuis qu'on a pris le jeûne de 21 jours, dès qu'on a commencé, je vous assure, comme si tout ça est parti, je ne ressentais plus cela. Ma tête était seulement concentrée, comme le Seigneur dit, qui est-ce que j'enverrai-je? Ma tête était seulement concentrée dans le jeûne. C'est comme ça que tout au long du moment, si je suis allé là, je n'ai plus endurer tout cela. Donc je tiens à dire merci au Seigneur pour cette bataille et pour la victoire qu'il m'a donnée. Je dis merci pour votre vie. Merci au Seigneur pour votre vie, pour la vie de chaque membre de ma famille qui finalement ont accepté que je n'ai jamais quitté Jésus le nom. Ils m'ont accepté comme je suis maintenant. Donc je glorifie le nom du Seigneur qui a préservé ma mère de la mort dernièrement. Elle était tellement malade que le sang coulait de ses narines. Je veux juste dire, le Seigneur va te guérir. Au nom de Jésus soit béni, c'était tout ce que je voulais faire. Elle a envoyé l'enfant, ma petite soeur qui est infirmière. Elle a acheté un médicament, on l'a injecté jusqu'aujourd'hui, ça va. C'est pour que bien le sang ne coule plus de ses mains. Je prie le nom de l'Éternel pour avoir préservé tous les membres de ma famille. Personne n'est mort, gloire à Jésus. En fait, c'est à cause de moi que c'est arrivé. Je me demande ce que si je vais parler de cette erreur, je n'avais pas suivi tes instructions. C'est bien que je vais parler devant tes trucs et les santé. Je veux dire merci au Seigneur car il a tellement fait dans ma vie en cette année. Et pendant le temps de ma vie, c'est arrivé comme ça. En fait, j'étais à la maison avec elle. Bon, comme elle passait le temps avec les anges et tout ça, et en ce moment, je cherchais aussi le docteur. Le Seigneur a fait quand j'ai trouvé l'être de mon travail, mais je n'ai pas insisté pour demander au Seigneur, est-ce que je rentre avec lui? Parce que la mère de sa mère, la fête à lui, elle devait rester avec elle pendant que moi je devais travailler. Après, un dimanche, le Seigneur m'a demandé d'aller chercher l'enfant. Lundi matin, quand je suis rentré le dimanche, je suis allé, j'ai toujours fait la fête, pour essayer de suivre l'institution. Je suis rentrée, bien ici. Arrivé à la maison, je n'étais pas tranquille. Lundi matin, je n'étais pas tranquille. Je me suis dit, pourquoi aller? C'est comme si quelque chose va arriver à l'enfant. Mais même comme ça, je suis partie la chercher. Après, je suis rentrée. Quand ma soeur était à la maison, elle était bon. Alors, je savais que moi, je vais sortir. Le matin, elle m'a dit, il n'y a pas de problème. Un beau matin, c'est là, elle me dit qu'aujourd'hui, je ne veux pas, je suis en train de sortir. Et que dès qu'il a gagné, quand il rentre, il fallait que je respecte. Et là, avec le temps, elle me dit que c'est elle qui va arrêter. Elle me dit que je veux me faire. Elle sort aujourd'hui, elle sort le matin. Et on s'appelle dans la précipitation
en bas les affaires de l'enfant, c'est pas les choses que j'ai à faire. Je n'ai pas autre chose à faire. Donc, comme ça, mon père n'est pas tranquille. C'est comme ça que je lui envoie aussi ma soeur, je fais tout. Et le coup, elle n'est pas sortie. Elle n'est pas sortie, elle n'est pas abusée. Qu'est-ce qu'il y a encore, elle devait comme ça lui faire aussi. Et après, elle est abusée. Elle est manquée maintenant, elle a commencé à lui faire. Et après ça, après deux jours, on appelle que ta fille est tombée sur la route, mais elle n'a rien de mal. C'est comme ça que l'équipe de la musique n'est pas dormie ici avec le coup de cœur à l'équipe. Je pouvais elle coucher, elle ne veut pas se lever. Quand elle me dit que non, ça va aller, quand on a eu la musique, elle m'a tombé sur elle, elle est trop renversée. Mais avant ça, on m'a demandé même de partir à l'hôpital avec un coup d'étudier, que ça va aller. Tout rentrer maintenant. En bas, la maison, je ne peux pas rentrer. Les trois maintenant sont tous en marché. Là, que le contrat, que lui a une vie, que ce soit satisfait. Et que ça, c'est pas normal. Je ne dois pas dormir avec. Donc, ça fait après 2 minutes, moi, le soleil, que c'est bien, je ne sais pas comment. Je n'ai pas l'argent, je veux partir maintenant. Tu commençais les soins avec la fille, je commençais comment. Et ça fait que tu ne pars. Je dis que Seigneur, moi je pars. Donc, quand tu vas faire le reste, je dis que ça, j'ai envie de faire l'hôpital, on me dit que la consultation c'est gratuit. Donc, ça fait que je fais le carré, je suis de l'argent. Le reste, la loi, j'attends qu'on fait la radio. Là, quand je dis que le fait que l'enfant est cassé, il est cassé au niveau de la puce. Je vais commencer à dire que c'est bien, par exemple, pour faire la photo. Nous allons mettre le plat, c'est tout ce qu'on m'a demandé à deux jours de mettre le plat, parce que sinon ça va devenir plus grave. Je suis rentrée à la maison, je vais étudier, je vais le faire. Ça c'est pas, je suis passé, je suis bien avec le pied à la porte. C'est grâce. Là, après, le soir, on a envoyé la maison, on a dit que pas avec la maison, j'ai mis dans le plat. On fait les soins et tout. On arrive là-bas. Maintenant, le moment de mettre le plat, c'est à la chambre. Parce que c'est le moment plus cher. C'est le moment. On n'est pas tout sorti, c'est le moment de l'autre à boire. De l'autre à boire. Qui est pas la vie. Comment ça, il est investi. On voyait même demander au soin de faire le pilier à boire. Et là, que par la grâce de Dieu, même le soutien des frères et des frères cité. Je dis vraiment merci à Dieu. Pour la vie de chacun de vous ici présent. Et puis, c'est un rappel qui est grâce à vous. Donc, le Seigneur va utiliser pour aider dans cette situation. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Le mensonge que tu négliges, c'est une folle. Le copinage que tu négliges, c'est un bigade. La documentation que tu négliges, c'est sale bigade. Et le chemin qui te conduit en enfer. Oh, repentez-vous. Repentez-vous. Le temps de faire existe. Toi qui m'entends ce soir, Jésus t'appelle à la repentance. Jésus-Christ a amoulé le tout ça et pas ça. Si tu vas aller au ciel, c'est maintenant qu'il faut sortir du péché. Si tu vas aller au ciel, c'est maintenant qu'il faut quitter le péché. Jésus t'a montré. Jésus-Christ a perdu le lait. Amen. Mais aujourd'hui, Dieu t'a donné la grâce. Il a tourné le faveur d'écouter ses paroles. Afin que tu sors du péché. Alléluia. La
Est-ce que tu sais si tu vois dans ton péché, tu parles en enfer? Est-ce que comme tu vois dans ton péché, tu parles en enfer?
Jésus, vous recevez l'évangile du Christ, que la lumière de Dieu commence à briller dans cette maison et que la gloire de Dieu impacte vos vies.
Le Seigneur Jésus ne fait exception de personne. Vous recevez l'évangile et je scelle dans le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te recommande cet évangile. Que la gloire revienne à toi. Au nom puissant de Jésus. Ta miséricorde durera toujours. Miséricorde durera toujours. Alléluia. L'évangile de la repentance. Et ce que nous annonçons, si tu mourras ce soir, où ira ton âme? Si tu mourras ce soir, où ira ton âme? C'est ce que nous annonçons, l'évangile du Christ. Que le peuple de Dieu se repente. Le peuple de Dieu sur la terre se repente. C'est ce que je suis sorti annoncer dans cette petite belle ville, très calme, où chacun est chez soi. Donc, j'ai fini le petit tour que j'avais à faire pour vraiment ne pas laisser l'évangile, le zèle de l'évangile s'endormir. Et c'est ce que je suis sorti. Le Seigneur m'a donné la force de sortir pour annoncer l'évangile au travers les boîtes aux lettres. Que le Seigneur vous donne aussi cette force. Ce n'est pas pour me glorifier, c'est juste pour encourager les bien-aimés. Que le Seigneur nous donne cette force, qu'il donne cette force à tout un chacun de sortir, au moins même si c'est deux traités, mettre dans les boîtes aux lettres, enfin, de ne pas laisser éteindre le feu de l'évangile. Alléluia. Que la gloire revienne à Jésus. Au nom de sa fidélité durera toujours. Sa fidélité. Tu reçois l'évangile au nom puissant de Jésus. Tu reçois l'évangile du Seigneur. Que la lumière de Dieu entre dans cette maison et renverse des ténèbres au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa bonté durera toujours. Sa bonté durera toujours. Sa miséricorde durera toujours. Sa miséricorde durera toujours. Sa compassion durera toujours. Sa compassion durera toujours. Miséricorde durera toujours. Sa miséricorde durera toujours. Miséricorde. Alléluia. Sa miséricorde. Oh, miséricorde, oh, toujours sa miséricorde, durera toujours. Recevez l'évangile du Seigneur Jésus, au nom puissant de Jésus. Sa miséricorde, durera toujours. La miséricorde durera toujours. Sa miséricorde règnera toujours. La miséricorde durera toujours.
recevez l'évangile. Au nom de Jésus, vous recevez l'évangile. Alléluia, gloire, gloire, gloire à Jésus. On vous aime. Alléluia. On vous aime. Alléluia, gloire, gloire, gloire à Jésus. Je suis à Nîmes, j'ai loupé le train TER parce que je venais de Montpellier et comme il était en retard, je suis restée à Nîmes et dans 2 heures, voilà, j'ai un train. Mais je vois des frères qui sont là depuis il y a plusieurs fois que je passe à Nîmes, je les vois à la gare. Et voilà, ils ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et je vous les présente. Alléluia. 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 Amen. Alors, comment votre nom? Moi, mon nom, c'est Abou. Et vous? Moi, c'est Adama. Voilà, vous dites? On est fiers d'être dans le christianisme et de suivre Jésus-Christ. Alléluia. Amen. On est fiers de suivre Jésus-Christ. Alléluia. Et vous acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur? Si, si, jour et nuit, on est avec lui. On est d'accord pour venir au secours. Vraiment, on est fatigué. Alléluia. Amen. Que Jésus leur fasse grâce. Amen. Alléluia. Je viens régulièrement à Nîmes et je les vois et je veux les revoir. Ils ont accepté Jésus et maintenant, ils doivent faire la marche avec Jésus. Gloire, gloire, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Shalom, shalom. Alors il fallait que je quitte de là-bas. Donc vraiment, c'est parti d'un accident que j'ai eu pour que je revienne ici. Et quand je reviens ici, je fais mon traitement. Je retourne pour le travail. Après 3 jours, on me dit non, le contrat est fini. Mais moi, ça ne m'a pas choqué le cœur. J'ai dit, de toutes les façons, si j'ai pu travailler un peu quelque chose, ça va aller, je mets dans mes poches. Mais je veux venir terminer la mission que Dieu m'a confiée. Amen. C'était d'abord cette mission-là. Ça, c'était la distraction du diable. Alléluia. Oui. Le Seigneur a dit que lorsque vous quittez votre père, votre mère, vos frères, vos enfants, il vous donnera des enfants. Il vous donnera des frères, des frères. Alléluia. 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 Et aujourd'hui, je peux dire que j'ai une famille. J'ai une famille. Dans Libreville, c'est tellement difficile de louer, c'est tellement difficile d'être en location et d'assumer ses charges. C'est tellement difficile ces réalités-là. Mais là où j'ai mes affaires, là où je vis, c'est quelqu'un que je ne connais pas, mais qui me garde, qui a décidé de me donner un appartement que je ne loue pas. C'est moi les interventions que je fais. Alléluia. Alléluia. Lorsque on fait du bien,
ne regrettez pas. Le bien là ne tombe pas au sol. Non, le bien est toujours récompensé. Amen. Alors, mon témoignage c'est que j'ai perdu le travail là. Je suis venu, j'ai continué le combat. Et les hommes de Dieu, les femmes de Dieu m'ont accompagné. Gloire soit rendue à Jésus parce qu'il a prouvé combien de fois, vraiment, il était devant. Voilà. La maman est là, elle marche, elle a refusé même de s'asseoir pour témoigner parce que pour elle, il n'y a plus rien. Alléluia. Pour elle, il n'y a plus rien. Alors quand je suis revenu là, on a fait le combat avec les hommes de Dieu, tout ça. On est toujours resté là. Le diable a encore voulu semer une petite zizanie là-bas dans la maison. Mais le Seigneur a résolu cette zizanie. Et la paix est rentrée. Et il ne continue que de travailler. Alors, les jours qui suivent après tout ça, voilà. Avant-hier, je suis sorti. Et non, j'ai qui m'échauffe parce que c'est dans ce monde-là, c'était, j'avais des coups. Vraiment, le diable vraiment formé. Les incendies et tout le travail là. Donc, du coup, j'avais pensé qui m'a donné pour faire un don. C'est Papa Joseph qui m'accompagne même pour. Ce don-là, on a fait le don là, aux institutions, la cuvée là. C'était ma dernière fois. J'ai fait ce don, après le don, j'ai chuté. Après faire le don, j'ai eu une chanson qui disait, bon, comme la soeur vient de le dire, hein, Jakawakanaba. Ça ne veut pas dire que l'autre n'existe pas. Donc ça veut dire que même si tu es malade, ça ne veut pas dire que ton Dieu n'existe pas. Amen. Donc c'est une chanson, ici la tête de Cédéla, on va sortir parce que c'est bien dans mon domaine. Donc du coup, si je vous explique tout ça, c'est par rapport à ce qui m'arrive. Cette chanson m'a soutenue. Dans les pays, mais là où je suis allé, je n'avais personne, ça m'a consolé et je suis revenu à moi. Voilà. Amen. Et c'est malgré ça. Juste, j'ai cette douleur, même douleur qu'une seule journée. Et pour ça, je suis une jeune fille, ça n'a duré qu'une seule journée. Ça veut dire que c'est une chanson que tu as envoyée pour me consoler. Puisque, à part lui, je n'ai personne d'autre. Et là, si je me lève, c'est par rapport au témoignage de la sœur. Dernièrement encore, j'étais à... Déjà, elle m'avait appelé une fois. Je pense que j'étais un peu distrait, je conduisais. Et c'est le lendemain qu'il va me faire savoir qu'en fait, il s'agissait d'elle qui m'aurait appelé. Et ensuite, l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur, vraiment poussé un peu par cette nécessité de nous déplacer. Et on a pris quelques soeurs pour aller sur les lieux, donc au CHU de la Montchère. Voilà, nous sommes allés. La première fois, c'était un jour ouvrable, un mardi, je pense. Nous sommes allés, nous avons prié, nous avons trouvé effectivement avec deux autres femmes. Nous avons prié qu'elles étaient beaucoup ouvertes dans l'évangile que nous avons donné, comme le Seigneur nous dit. Donnez-leur d'abord l'évangile, ensuite nous prions pour recommander leur situation maladie au Seigneur. Nous l'avons fait et nous sommes répartis encore. Le samedi, nous avons fait la même chose. Elle était vraiment disposée, nous avons vu combien de fois elle était disposée. Vous savez que le Seigneur travaille et le Saint-Esprit vient. Vous pouvez, là il agit, travaille là, les gens sont disposés. Amen. Amen. Et nous avons vu aussi avec... comment on appelle le film, j'ai oublié l'évangile, l'excès d'évangile me dépasse. Le film que le Seigneur a fait, qui attendait que les eaux s'agitent pour se jeter à la piscine de Bethesda. Voilà. Donc, voilà, c'est la même chose.
lorsqu'il attendait les eaux pour pouvoir se lancer, le Seigneur a vu combien de fois il était disponible, avec la foi, et il a persévéré dans ce qu'il voulait. Pendant combien d'années il venait lui, il a répondu au Seigneur que tous les ans, je viens ici. Et quand ma patronne va venir, gloire à Jésus, elle vient avec sa mère. Et quand sa mère vient, malgré ce qu'elle est, malgré elle m'a dit qu'elle a bu bien son champagne est venu. Mais le Seigneur l'a utilisé, tellement qu'elle a parlé, je me suis trouvé que, Seigneur, comment une personne va parler comme si elle me connaissait quelque part. Elle s'est pris dans la peau d'une mère, elle m'a fait son soeur, elle m'a patronne, elle m'a dit, vous êtes mes enfants. Donc je le mets dans la place de conseil. Elle nous a conseillé et tout le monde s'est levé avec la paix. Gloire à Jésus. Donc pour finir, le Seigneur m'a donné une révélation et c'est pour toute l'église de Jésus. Cette révélation, j'étais avec la sœur le vendredi et on a prié. On a fini tant vers 2 heures comme ça, ou bien, je ne rappelle pas de l'heure, qu'on a fini. Mais j'ai prié, on a trouvé le sommeil, on a commencé à dormir pour la prière. Et le Seigneur me réveille. On se trouve sur un terrain de match, on est en train de jouer. Mais comme le terrain de village, ce n'est pas un terrain comme les grands terrains, comme ça. On est en train de jouer le ballon. On joue le ballon. L'équipe Jésus revient est en débardeur blanc et ils ont bon, les joueurs là en fait en train de jouer contre une équipe. Bon, comment on m'a montré là-bas, c'est comme j'étais avec Sénégal. Bon, c'est comme ça on m'a montré. Et ils sont en train de jouer, ils sont en train de jouer. En même moment, Jésus revient à marquer 4 buts. Ils ont marqué 4 buts. J'étais tellement contente que j'étais en train de sauter des joies. Maintenant, tout Jésus revient, j'étais tellement contente que. À un moment, tout le monde était distrait. Les joueurs étaient distraits. Le gardien, lui, désolé, c'est le songe que le Seigneur m'a mis. Le gardien a mis sa tête dans les rigoles comme ça. Voici l'ennemi qui est en train de marquer. J'ai dit, mais il est en train de marquer. Personne n'avait le temps. Tout le monde était distrait. L'ennemi avait commencé à marquer. L'ennemi avait commencé à marquer. Et quand je me suis levée, j'ai dit à la sœur. La sœur m'a dit non. Les 4 buts que tu as vu Jésus revient à marquer, c'est le réveil qui est arrivé dans les 4 coins du monde. J'ai dit oui, moi-même j'ai senti ça quand je me suis réveillée. Mais quand le réveil est arrivé dans les 4 coins dans le monde, le peuple de Dieu pense qu'on a déjà gagné, c'est fini. Mais cette année, c'est pour rappeler chacun que c'est l'année de 24 ans sur 24. L'ennemi, ce qu'il n'a pas pu accomplir dans 2023, cette année, c'est l'année de 24 ans sur 24. Donc l'ennemi dit ne dort pas. Donc nous aussi, il faut qu'on se dise, tout Jésus revient qu'on ne dort pas. Parce que si on dort là, les 4 buts qu'on a marqués, selon ce moment de réveil, prière étant soit appel, lui il va marquer. Gloire à Jésus.